commence le Michelet, avant de démarrer, on fait ce pasouk-là. Comme ça, on se rappelle de l'air. Alors, je le fais une fois, après vous répétez derrière moi. Merdal oz Hashem Adonai. Allez-y. Boyaros Sadiq Wenisgav. Mishle Shelomo ben David. Melech Israel. Lada'at Chochma o Musar. Leavin Imre Vina. לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים, לתת לפתאים עורמה, לנער דעת ומזימה. ווי קויין ערביה, אני אופיין לנער רביה. דקור? יש אחרי, אונבבור לרביה די פוי שם פה. ישמע חכם ויוסף לקח. ונבון תחבולו תקנה. Vous voyez les nars, parce qu'il est mili'il, on dit les nars, mais le winavon et mili'ra, on fait plus long. Winavon, vous voyez la différence, les deux c'est un ravia, mais comme les nars, regardez bien, vous avez vu les nars dans le livre, alors le ravia, il est mili'il. Alors quand c'est mili'il, on ne peut pas trop accentuer le ravia. Les nars, alors que winavon c'est mili'ra, vous savez ce que mili'ra et mili'il? Mili'il c'est au début, pas à la famille, et venavon. Venavon. On prolonge plus. D'accord? Allez, on continue. Leavin machal omlisa. Leavin machal omlisa. Devre hachamim wehidotam. Devre hachamim wehidotam. Yera. Le ravia, il est plus long. חכמים להבין מלנער לנער פסקום פדיר לנער תשובה זה מלעיל תשובה מלעיל זהו דבי אנחנו לא תחו פרולנג'י מכל מלרע לא נלתם סי ג'מי סטי לנער לנער מספו לנער זה מלרע זה מלעיל פעם מלרע דקו אנחנו Alors si... Le ravia, il est à la fin, regarde. Quoi voilà, très bien. Il est à la fin, ou ça... Non, c'est au milieu. Non, non, regarde, ça, après le bête, il y a un nom, c'est un choix. Alors, bon, si tu veux, on va vous expliquer ce qu'est mil'aïm, mil'ra. Vous avez fait les syllabes en français, oui? D'accord, ça dépend. Si la dernière syllabe, si celle d'avant, ça change. Bon, si tu veux, ça, on fera. De toute façon, à force de lire... À force de lire, on va comprendre. Mais on va expliquer ça aussi. Alors, on continue. Irat Adonai Reshit Da'at. Irat Adonai Reshit Da'at. Chochma Omusar Iwilim Bazu. Vous avez Omusar, comment c'était plus lent. Omusar. Il aimait les rats. Donc, on prend... Plus de temps. On continue. Shema bini Musar avicha. Shema bini Musar avicha. Ve'al titosh Torat immecha. Ve'al titosh Torat immecha. Alors regardez les enfants. Voyez le titosh. Vous avez un taou et un tet. Est-ce qu'on les prononce de la même manière? Non, le tête, c'est plus lourd que le tav. Ouais, exactement. Et en plus, dans le tête, il y a quoi? Il y a un... Un dagesh? Un
Hazak. Dans le temps, oui, un dagesh, mais c'est un dagesh kal. Si tu veux ça aussi, on le fera un jour, d'accord? Mais il y a dagesh kal, c'est dans beget kefet. Bet, vet. Ouais, s'il faut mettre les deux. Voilà, on verra ça. Et maintenant, il y a dagesh hazak, petite torche. Vous savez, en fait, quand il y a un dagesh, c'est quoi un dagesh? Ça veut dire quoi? Il faut endurcir. Pourquoi endurcir? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'en vérité, hein? Non, non, c'est pas obligé que c'est un ordre. Par exemple, en français, des fois, on voit qu'il y a un mot, il y a, parlons le P. Des fois, il y a deux P. C'est quoi? C'est pour faire plus fort. Ici, en vérité, l'otet, qu'on le voit avec un dagesh, normalement, le verbe, c'est verbe natosh. Natosh avec un noun. Mais le noun, il tombe. On l'écrit pas, on met un dagesh. Par exemple, nafol. C'est quoi nafol? Tomber. Et comme on dit, yipol, tipol. Il est parti où, le noun? Il est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le noun est disparu, on met un dagesh à la place. Ici aussi, alors, au lieu de dire tintosh, on dit titosh, parce que c'est très lourd, et on le va. Alors, maintenant, regardez. Kiliwiyathen, c'est clair, les enfants? Alors, maintenant, regardez. Kiliwiyathen, alors, il y a un air spécial. Vous voyez, il y a un passer, il y a une chalchelet. D'accord? Alors, on fait comme ça. Regardez sur les mots. Qui le yathen hem le rochecha. Non, non, non. Qui. Allez-y. Qui le yathen hem le rochecha. Wa naqim le gargerotecha. Très bien, mais il ne faut pas s'arrêter sur eux, parce qu'il n'y a pas de gaïa. Les gargerotecha, c'est vrai, un rimel et un gimel, mais on les tourne en même temps. Les rar, pas les gargerotecha. S'il y avait une gaïa, je comprends. Mais si on sait, les gargerotecha. Très bien, regardez ici aussi. Alors, on va faire un air spécial. Béni imi fatoucha hattaïm al tove. Béni fatoucha hattaïm al tove. Alors on va refaire. Il faut essayer de donner plus, pousser un peu plus. Alors on va, moi je vais couper en deux comme ça, c'est plus facile pour vous. Après on fait tout en même temps. Béni. Emi fatoucha hattaïm. Emi fatoucha hattaïm. Al tove. Al tove. Alors on va le faire en entier. Béni emi fatoucha hattaïm. Al tove. Vous savez ce qu'il dit ici, Shlomo HaMelech? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le sens de la phrase? Ici, Shlomo, dans le livre de Michelet, il fait du moussard. Vous savez ce qu'est le moussard, oui? La morale, exactement. Hein? La morale, moussard, dit, mon fils, fais attention, fais pas ça. S'il nous dit, béni, mon fils, et mifatour hatem, si tu vois des gens qui sont des fauteurs, qui viennent te dire, viens avec nous, on va faire des bêtises et tout, al tove, il ne faut pas accepter, il ne faut pas les écouter. Pourquoi? C'est mauvais. Il faut apprendre à faire des bonnes choses, pas des mauvaises choses. C'est bon, c'est clair? Sinon, Hachem va punir quelqu'un. Voilà, et c'est pas Hachem, il punit, mais à part ça. Si quelqu'un va avec les mauvais, il devient mauvais. Hachem, que Dieu nous préserve. D'accord? Alors, on va continuer. Regarde ça là aussi. Il y a de l'air. Emi omero lecha itano. Bravo. Ne'erva les dames. Ne'erva les dames. Nespena les naqihinnam. Nespena les naqihinnam. Est-ce que vous avez remarqué que cette fois-ci, quand on a fini, on n'a pas fait comme d'habitude. Toujours qu'on finit, comment on fait à la fin? On sert les avines. Ici, on n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ravia. Toujours, souvent, à la fin, il y a ravia. Ça finit comme ça, toujours les psaumes.
لا 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 لا. Oui. Alors ici, on n'a pas fait comme ça. Pourquoi? Parce que la fin, c'est pas, s'il y a pas de ravia. Nespena lena tehinam. On continue. Oui. Sur. Ah, en fait, al-hazaqwaru. Très, très bonne question. Déjà, tu vois que l'atnah, il est à l'envers. D'accord? C'est pas... Regarde, c'est pas comme l'atnah habituel. Habituel, al-hazaqwaru. Oui, très bien. Tu peux manger 30 secondes? Tu restes pas pour minha? Non, je vais... Alors, tu as compris... comment tu t'appelles? El-Aï. Alors, Rabbi Oda ibn El-Aï. Waouh, Kadosh Alion. Oui, tu connais? Alors, regarde. Alors ici, alors c'est pas un attar, c'est un attar à l'envers. Alors il faut savoir, une chose, que les airs de Michelet, c'est pas la même chose que de la Paracha et l'Aftara. Et même le Tehilim. Vous voyez, des fois, sur un attar, on fait de l'air. L'air. Oui, non, mais des fois, même les signes, d'accord, l'air il peut changer, mais les signes, c'est-à-dire le même signe, mais on le fait pas de la même manière. Quoi? Oui, oui. Mais les ta'am de Miché sont un peu différents que les autres. Et mais de toute façon, qu'on apprend, c'est facile à les faire. On va continuer. On pourrait s'arrêter sur les dames. Oui, on va s'arrêter. Regarde. On s'arrête là-bas. Donc c'est un petit comme un petit zarkif raton, le premier. D'accord? Clair? Allez, on continue. Nevla'im kish'ol hayyim. Nevla'im kish'ol hayyim. Utmimim ki yore devor. Utmimim ki yore. Utmimim. Utmimim ki yore devor. Kol hon yakar nimsa. Kol hon yakar nimsa. Nimal levateno shalal. Pas nimmalé. Nimmalé et nimmalé, c'est pas la même chose. Nimmalé, on remplit. Nimmalé, on se remplit. Ça change le sens. Bon, ça aussi, Dieu, on fera aussi des cours sur ça. Gora lecha tapil betocheno. Gora lecha tapil betocheno. Kis ehad yelechulano. Béni, al telech bederach itam, al telech bederach itam, menarach lecha mnetivatam, mnetivatam. Alors pareil aussi, Shlomo Amer dit à son fils, fais attention, ne va pas avec ces gens-là. Oh, tu les vois aller à droite, toi tu vas à gauche. Parce que je sais pas pourquoi. Voilà. Regardez, il dit la suite. Kiraglehem la raya rousu. Il dit parce que leurs pieds, ils courent vers le mal. Oui, maro, les shpordam. Ils vont faire des choses graves chez Mishmo. Kehinam mezora rachet. Là, regardez, faire très attention. On a Kehinam et mezora. Ça fait le premier mot fini avec un même, le deuxième commence avec un même. Il ne faut pas les coller. Kehinam mezora. Vous voyez, vous connaissez ça? Hazak ou Baruch, très très bien. Kehinam mezora rachet. בעיני כל בעל כנף והם לדמם יערובו יעשו ליות יספנו לנפשותם כן, כן, אורחות כל בוסי עבאסה, אורחות כל בוסי
voyez, bosser, il y a sous le bête, il y a un chauffard au l'air. Et sous le sade, il y a un gaïa. Il faut faire l'accent sur le deux. Bosseya, on fait les deux. Bassa, etne fashbe ala wiqah. Etne fashbe ala wiqah. Hochmod bahus tarona. Hochmod bahus tarona. Bare hovot titen kola. בראש הומיות תקרא תקרא בפתחי שערים בעיר שערים בעיר אמרי התומר עד מתי פיתאים עד מתי פיתאים תאהבו פתי ולשים לאסון חמדו להם לאסון חמדו להם וכסילים ישנה הודעת וכסילים ישנה הודעת תשובו לתוכחתי Alors regardez, alors nous on a le minhag, quand vous avez un choix et un gaïa avec le choix, au lieu de dire et on dit ah, la tochahti. C'est certainement on fait comme ça, même dans le télim des fois ça arrive. Mais bon, on fait comme on veut. Tu as raison, mais quand tu as un choix avec une gaïa, ça devient comme un patah. Tashuvu. Mais bon, c'est pas obligatoire. Mais à Djerba, ils font comme ça. תשובו לתוכחתי הנה אבי עליכם רוחי אודיע דבריי אתכם יא ענקראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב ותפריעו כל עשתי ותוכחתי לא אביתם גם אני בידיכם אשחק אלעך בבופחדיכם בבוך ישועה פחדיכם ודיכם כסופה יאתי בבוא עליכם שרה וסוכה אז יקראו נני ולא אענה. Vous avez vu ici, on a deux noms qui se suivent. Le premier avec un choix, ça devient comme un cheval bata. Comme Hénané. D'accord? C'est clair, Kiki? Tout le monde, vous avez bien compris ça? Quand on a deux lettres, la même lettre qui se suit, et le premier elle est avec un choix, ça devient comme Hallelujah. Yikraou nani. Allez. ישחרונני ולא ימסעונני תחת כיסא נעודת ויראת אדוני לא בחרו לא אבו לעשתי Thank you.
נעשו כל תוכחתי. ויוכלו מפרי דרכם. וממועסותיהם יסבעו. כי משובת פתאים תהרגם. פתאים לרע, פתאים תהרגם. ושלוות כסילים תאבדם. ושומע לי ישכון בטח. ושענן מפחד רע. Alors quand on finit, on fait Om Sahen we Sechel Tov ve'Ein Elohim ve'Adam. Om Sahen.